un survivant de l'explosion de Tchernobyl a assuré qu'un désastre nucléaire était très probable alors que les combats autour de la centrale de Zaporijia persistent. Mikhailo Khrouchtchenko se souvient très bien du 26 avril 1986 quand le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl a explosé, causant ainsi une vague radioactive sans précédent qui a ravagé en rendu la vie impossible sur des centaines de kilomètres. Khrouchtchenko a déclaré au Daily Mirror « Non seulement le silence régnait, mais il faisait froid dans mon âme. Je suis sorti de la maison, j'ai vu ma voisine et je lui ai demandé « Qu'y a-t-il ? Pourquoi les enfants ne vont-ils pas à l'école ?» Elle m'a répondu « Il y a eu une explosion à la centrale nucléaire. » Suite à cette catastrophe, les Nations Unies estiment que les radiations ont entraîné près de 5000 cancers de la thyroïde. Alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus d'un an maintenant et que les Russes contrôlent Zaporijia, le professeur Evgan Yakovlev a indiqué qu'une nouvelle catastrophe nucléaire était très élevée.